Monsieur le Président, le 17 octobre dernier, le ministre des Finances a décidé de restreindre l'accès à la propriété. Sa raison? La surchauffe de l'immobilier à Vancouver et à Toronto. À Montréal, le prix moyen d'une propriété est de 360 000 $. À Vancouver, il dépasse le million. On fait du mur à mur, alors que les marchés sont actuellement pas du tout comparables. Dorénavant, des milliers de ménages québécois ne qualifieront plus pour une hypothèque. Contrairement au Canada, le Québec est le seul à afficher un taux de propriété inférieur à 70 %. Ottawa règle donc un problème canadien sur le dos des premiers acheteurs québécois, alors qu'il faudrait faire exactement l'inverse. La seule solution, c'est d'avoir des règles différentes pour des marchés différents. Il est temps qu'Ottawa arrête d'imposer ces mesures déconnectées et qu'il laisse enfin le Québec gérer lui-même ses affaires.